Le gouvernement du Québec est fier de donner le feu vert à l'Agence spatiale québécoise pour la mission Projet M. Projet M est une expérience scientifique et psychologique. 4 astronautes devront séjourner 1000 jours à bord de la station M, qui est actuellement en orbite autour de la Terre. Je confirme que c'est des explosions nucléaires. Il faut évacuer. Non, c'est une manœuvre. Si notre vie est en danger, notre vie n'est pas en danger. C'est pas le temps de penser à ta carrière. Tout astronaute est parfaitement conscient qu'il ne reviendra peut-être jamais chez lui. En fait, une mission prend fin réellement que lorsqu'il met le pied sur Terre. C'est une opportunité unique. Il y a une centaine d'astronautes qui ont plus d'ancienneté qui auraient dû passer avant moi, puis c'est moi qui ai choisi. Sincèrement, c'est un privilège incroyable d'être là-haut, d'être là parmi les étoiles. C'est un peu surréaliste, c'est hors du commun. Je vais avoir 3 ans. Regarde, je vais t'attendre. Non, je sais. Il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est fou. J'ai fait le bilan, où est-ce qu'on en est en termes de médicaments, de nourriture, d'eau puis d'énergie, puis si on se rationne, on en a pour plus ou moins 25 jours. Une évaluation psychologique de tout le monde. On n'a pas été préparé pour ce type de stress-là. Fuck you, toi, mec! Hey, c'est qui qui a injecté la carte? C'est qui, toi? Il y en a qui sont capables de s'adapter au changement facilement. Il y en a qui pensent qu'ils sont capables. Puis il y en a qui peuvent pas du tout. On est des astronautes. Ça veut dire qu'on est des explorateurs, qu'on est des scientifiques. Puis si c'est pas à nous de faire ça, je me demande vraiment c'est à qui. Ça va avoir une chance qu'on nous écoute. Faut que tu retournes puis que tu t'annonces toi-même.